Maintenant, le temps est contre nous. Écoutez, sans l'excellence, l'éminent monsieur Ouvo Chita. Oui, il appelle Samuel Jean. Attendant, le président de l'ancien, on va tirer son départ. Il m'a été soufflé à l'oreille d'être bref. Je vais essayer d'être bref. Mon opéré, si j'annonce quelque chose qui est positif, vous allez dire en avant. Même Bronodo Kenny et Nyakela, dominant Bronodo Bena en avant. Et que j'annonce quelque chose qui ne rime pas avec la positivité, vous allez dire en avant. Le népotisme, la gabegie, l'impérialisme, la France Afrique, l'unicité d'action de l'opposition, les assises nationales, la transition politique, la refondation nationale. Le développement social, le développement culturel. Le président, l'ancien monsieur Ouvo Chita du PNP. Merci de votre côté. Autonomie. L'assassinat du président de l'indépendance, président de la nation. Feu Sylvanus Olympio a été assassiné. Ça fait hier 60 ans, jour pour jour. Et dans la journée d'aujourd'hui, nous avons marqué cette journée pour la commémoration de la mémoire de l'illustre pour que le Togo naisse et commémoration, vous allez comprendre que il y a de cela 60 ans. Il y a 60 ans, un seul régime, un régime du père en fils, nous gouverne en politique. 60 ans, ça correspond à 120 ans d'une personne, d'un individu physique. À 120 ans, l'homme n'est plus capable de fournir quoi que ce soit. L'homme n'est plus capable de servir. Et si aujourd'hui nous sommes dans un marasme économique total, c'est parce que ceux qui nous gouvernent ont 120 ans d'âge quelque part, si c'était une personne physique. Alors, ça voudrait dire quoi? L'homme qui a 120 ans est qui? Mais qui n'est pas encore mort, il restera toujours ainsi jusqu'à ce que il pousse le dernier souffle. Le régime qui nous régente, après le coup d'État, après l'assassinat
que Sylvanus Olympio. Malgré que le général, le feu général Yadema avait passé 3 ans, il était quand même dans l'ombre, errant et tout seul. Cela voudrait dire que ça fait 60 ans qu'il est à la manette. Il correspond à ce que j'appelle l'épine dans la pomme du pied. Un chasseur en brousse a été victime d'une épine dans la pomme du pied. C'est le cas du Togo, c'est notre cas aujourd'hui. L'épine dans la pomme du pied n'a pas l'intention de sortir d'elle-même. On l'a fait sortir. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité ultime ensemble. C'est ensemble que nous allons faire sortir l'épine de notre pied. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez nous voir ensemble, les acteurs de la vie sociopolitique, pour une lutte citoyenne en collaboration avec la DMK. C'est dans la perspective de faire sortir cette épine-là. Alors, nous devons être plus nombreux que ça si la peur n'avait pas gagné cette peur. Je vous apprends que la peur a changé de camp. Alors, ça voudrait dire que l'opposition, la nouvelle convergence de l'opposition prendra toutes les dispositions pour que ce changement-là arrive sans qu'il y ait encore une goutte de sang qui coule sur la. Prochainement, lors de nos activités sortent nombreux, faire sortir nos détenus politiques, c'est notre pour que les exilés puissent rentrer paisiblement, transition politique puisse avoir lieu et assurer la refondation national. Merci beaucoup de votre importance. Merci sous vos acclamations. Super. Félicitations pour le message. Oui, monsieur Kourou Tika, ancien du PNP.